Salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle journée. Je me tape une sacrée marque de mon masque. C'est que la nuit a dû être bonne. Donc bref, petit déjeuner avant de partir. Donc comme d'hab, là, les flocons blanc d'œuf, pardon. Oh là là. Édulcorant, pardon, et de la cannelle. Waouh, ça démarre fort. Hein. Donc ouais, j'ai pris direct les BCA. Et là, avec le petit déj, du coup, je vais prendre l'arthroxine, les vitamines B, la céflaxine et la venaxine qui va, papap, et en blister. Donc voilà. Donc normalement, je dois aller. Je dois rejoindre, enfin, il y a Johan, pardon, là-haut, qui doit me rejoindre aujourd'hui, là, pour que je le filme un petit peu. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un combattant, un boxeur, enfin, certainement ceux qui regardent la boxe doivent le connaître, étant donné qu'il doit avoir à peu près 10 ou 11 titres de champion du monde en Muay Thai. Donc bon, c'est pas n'importe qui non plus. Donc, il vient de tout à l'heure, donc je vais essayer de vous faire suivre tout ça. À mon avis, on va rigoler, donc. Je vais essayer de vous mettre tout ça en boîte et de vous faire partager le plus possible. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. J'essaye de reprendre mes esprits là, parce qu'apparemment c'est mal parti niveau élocution. Donc bon appétit et à tout à l'heure. Ouais, voilà, du coup, deuxième repas. Hop, poulet, avec juste poulet, bien sûr. Non, normalement c'est là. J'ai la pomme aussi également, sauf que comme un con, je l'ai oublié. Voilà, parfait quoi. J'ai le droit à une pomme, ça me donne un petit goût sucré. Et je l'ai zappé, je peux en prendre qu'à moi-même. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Donc voilà, là normalement on va faire quelques vidéos là juste après. Donc je vous fais suivre ça de suite. Allez. Bon, du coup, nous voilà à Villechenève. On est donc dans les autres locaux RIFA, ou si c'est plus trois chaînes, pharmacie, en fait, tout ce qui est vraiment bien-être et santé. Où on a du coup aussi une salle. Voilà. Donc c'est là où va s'entraîner Johan aujourd'hui. Avec René. Voilà. Au jumper. Moi, je ne pense pas que, par contre, niveau cardio, c'est une machine. Moi, je risque pas de suivre. Mais 5, 6, on reste en haut. Top, continue. 7, 8, 9. 10, on reste en haut. 10. Top. Parfait. Voilà. Non, on pousse. On tire. Tu dois bien. Comme ça. Pas qu'il pousse, pas qu'il tire. 15,
Allez, 10 secondes, on accélère. Bien, allez, vite. Top, parfait. C'est vrai, ok. Allez, c'est parti. Donc, repoussez. 4. Je tape fort. Oui, c'est bon. 6. 7. 8. C'est bien. 9. Et 10. Une jambe à la fois, alternez. Toc, toc en ciseaux. Dans 1. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 10. Parfait. Garde le ballon, attendu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un petit peu plus compliqué. Tu viens toucher, tu recules à peine et tu pousses. Donc, toucher, reculer. 3, 4, faut que tu me l'aplatisses. 5, ça doit être une galette. 6, voilà. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Tu tournes de l'autre côté, tu restes comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11 et 12. Bon, et voilà, la petite séance de Johan terminée. Il s'est pris un petit coup de chaud, il s'est réveillé. Ouais. Tranquille. Maintenant, il est prêt à aller pouvoir donner le petit cours de boxe aux employés. Donc voilà, c'est des petits entraînements spécifiques. Hein. Des fois, c'est plus musculation, plus cardio. Voilà. Ok. Cela, c'est dans combien de temps le combat? C'est dans 3 semaines. C'est ça, donc à Saint-Tropez. Hein. C'est ça, le chess foot. Voilà, donc ça va être blindé là-bas. Un gros événement. À mon avis, l'adrénaline va être là. Voilà. Je pense que là, avant de monter. J'aimerais bien vivre ça un jour parce que ça doit être vraiment terrible. Ah, c'est sympa, faut venir. Ouais. Dans un camp, c'est... Donc là, je pense que n'hésitez pas à aller voir les combats, les gars. Il y en a souvent un peu partout en France à côté de chez vous, donc n'hésitez pas. C'est du beau spectacle et si vous aimez le sport, les mecs se donnent à fond. Bon, bah, du coup, là, c'est le cours qui démarre pour les employés des trois chaînes Eric Favre. Voilà, avec les locaux juste derrière. Donc ils se sont mis dehors en pleine nature. Je vais voir le cadre, franchement, ici. C'est cool, c'est au calme, dans la montagne, c'est juste parfait. Voilà. Tous les employés, de toute façon, dans tous les locaux d'Eric Favre, tous les midis, ils ont une salle de sport à leur disposition. Et il y a aussi des coachs qui interviennent pour leur faire le sport. Donc, franchement, c'est juste parfait ici. Mais bon, comme vous pouvez le voir, du coup, le sport est vraiment partout et pour tout le monde. Donc voilà, et puis c'est du partage, parce que c'est les athlètes souvent qui donnent les cours. Donc c'est vraiment top, quand on dit que c'est une grande famille, voilà, c'est pas une connerie, donc il n'y a aucun mystère. Allez, du coup ça va être parti pour le cours, on y va. C'est le bras gauche, devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, sautille. On va changer de garde. Alors, pour sauter, je vois qu'il y en a un qui fait ça et ça. Les mains en haut. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. C'est bien, on sautille. Tranquille, on sautille. On va monter les genoux tranquillement sur place. En mettant des petits uppercuts. Ferme les poings, on met des petits uppercuts. Voilà. Tranquillement, on accélère un petit peu et j'hypercute. Allez, direct. Maintenant, on va mettre des directs. Alors, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien, on sautille. Voilà, encore. Et on revient en garde. Parce que là, hop, hop, si je te remise, voilà. Non, faut pas, surtout pas que tu fasses ça. Quand on se protège, on rentre la tête comme une tortue.
Voilà, donc là, si on tape là, n'aie pas peur. Hein. Si on tape là, si on a les gants collés dans sa tête, si on se tape, on tape là, c'est dans les gants. Ok, on a le visage qui est protégé. Vaut mieux se prendre un coup dans les mains, ok, que se prendre un coup dans la mâchoire. Demain, vous êtes dans la rue, quelqu'un vous met un coup de poing. Si vous vous protégez comme ça, ça va vous protéger. Si vous tapez là-dedans, ça va faire mal. Vous risquez pas de tomber KO ou d'être inconscient. Par contre, si vous êtes comme ça et que vous vous prenez un coup dans le nez, bah, ça va vous faire monter la moutarde. Ou si vous prenez un coup dans le menton, bah, on peut tomber KO. Okay, là, on est là, protégé, et on peut en même temps esquiver. Si on voit le coup arriver, hop, je peux esquiver. Ouais. Bam, pour mettre un coup. D'accord ? Allez, vas-y. Allez, plus souple, plus souple. Rapide, rapide. Allez, souple, souple. Arrête de forcer. Ah, bam, bam, bam. Force-moi. Allez. Bon, et voilà. Nouvelle petite pause repas pour le repas numéro 3. Bon, j'ai oublié de vous filmer le début. Donc, il y a les poulets et patates douces, comme la dernière fois. Du coup, là, je finis avec les haricots verts. Comme j'avais très faim, là, je commençais un petit peu à tomber. Là. Je me suis précipité dessus. Voilà, puis j'ai discuté un petit peu avec les employés d'ici qui étaient encore en train de finir leur repas, de leur pause de midi. Donc c'est pour ça que je vous ai pas filmé le début. Donc voilà, là on est dans la cafétéria de Villechenève, du coup là, à Eric Favre les Trois Chênes. Donc je vous montre rapide. Donc vous voyez, avec les frigos, pareil, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Hop. Et voilà. Une grande table ici, etc. Et toujours avec une belle vue dehors. Donc, ici, les employés, ils ont tout ce qu'il leur faut. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Avec en plus de ça, un training aujourd'hui, training bras. Faut que j'envoie un message à Luc pour qu'on se calme bien sur l'horaire. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, repas pré-training. Avec une coupe de ouf, là. J'ai fait une... J'essaie de me faire une petite sieste là. Et le réveil là. Pas mal. On a connu mieux quoi. Alors donc, repas pré-training, comme d'habitude les gars. Saumon. La banane, qui là va faire du bien, ça me donner de l'énergie. Ça va être top. Du coup, j'ai eu Luc ce soir, du coup, il pourra pas être là. Du coup, on se voit demain. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous filmer le training. Du coup, je vais faire les entraînements, enfin, je vais mixer un petit peu, je pense. Je vais reprendre ses méthodes, etc. En fonction de ce que lui m'a dit pour cibler certaines choses là sur les bras. Certaines portions, on va dire. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit mix de tout ça, de vous filmer tout ça. Et tout ça avec la rage et de la bonne humeur. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, c'est parti, arrivé au New York Gym, on va s'échauffer un peu, et c'est parti pour la séance. Allez, let's go. Thank you.
ça. Continue. Allez, 6, encore une. Allez, pousse. 7. Les abdos, ce qu'il faut bien les faire. Donc là je vais enchaîner, je vais faire, comment dirais-je, deux exos différents, quatre séries, et entre les séries je vais me laisser que 30 secondes pardon, de récup, parce que je les fais tout au poids de corps, je mets pas de poids, etc. Donc voilà, je joue là-dessus. Donc je fais ça et après cardio, let's go. Voilà, donc séance terminée. Voilà, après le cardio, du coup un peu plus d'une vingtaine de minutes de marche. Là j'étais à 6 km/h avec 5% là de pente. Donc voilà. C'était un peu. Je manquais un peu d'énergie aujourd'hui. Je pense que c'est les premiers effets vraiment du régime, on va dire, de la restriction calorique. Jusque là j'avais pas trop senti quoi. J'avais faim mais je manquais pas d'énergie ni quoi que ce soit. Là aujourd'hui je sens que c'est un peu le cas. Donc je vais bien me reposer aussi également. Le fait d'être tout seul en plus, c'est vrai que c'est. Des fois c'est peut-être mentalement aussi, c'est peut-être un peu plus compliqué des fois pour être plus explosif, on va dire. Mais bon, je pense que c'est tout simplement les effets du régime qui commencent à arriver. Mais bon, tant mieux quand ça va arriver, c'est-à-dire qu'on rentre dans le dur et moi ça me plaît. Du coup mentalement je vais me dire qu'il va falloir que je me surpasse.
et travailler deux fois plus fort. Donc voilà. Mais écoutez, je vous dis à tout de suite pour le repas post-training. Allez, go. Et voilà, donc repas post-training, c'est parti. Le bœuf, les pommes de terre, que la frite sans huile, bien entendu. Les haricots qui sont là. Bam. L'assiette est bien chaude. Hop. Je mange plus de salade en ce moment parce que ça me gonfle un peu l'estomac. Donc là, ça me laisse vraiment plus tranquille. Si j'ai moins de déchets, etc. Donc c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, je mange tout ça très vite là parce que je sens que j'en ai besoin. Je commence à avoir faim, j'ai les yeux qui tombent. Alors, c'est parti. Je mange ça et je vous dis à tout à l'heure. Allez, go. Bon, voilà les amis. Bon, vous en doutez, je suis déjà au bureau. Donc effectivement, j'ai oublié l'épisode poisson noix de cajou. Comme l'autre fois. Ah. Ouais, ça commence à être dur, c'est pour ça. Là, je commence à être fatigué. Si jamais je me pose, je m'endors. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, ça veut dire qu'on rentre dans le vif du sujet, donc tant mieux. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, rien de spécifique, hein. Juste que je suis désolé. Mais bon. Ah, donc voilà. Moi, je réenquille aujourd'hui. Là, je vais monter la vidéo, du coup, pour vous faire ça au plus vite. Et voilà. Encore, excusez-moi, mais bon. Là, ça va être le rythme vraiment prépa sèche, quoi, qui a commencé à se faire sentir. Donc, tant mieux. Ça veut dire que là, je commence à être dans le vrai. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi encore cette vidéo. N'oubliez pas, hein, du coup, comme je vous disais, les commentaires, etc. Si vous avez des choses à dire, je vous écoute, je les prends en compte et je vous réponds surtout. Donc voilà, merci parce que vous êtes quand même assez nombreux. Donc ça, c'est vraiment cool. Et n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Allez, ciao.